Good morning, allez, Yiden, l'étude sera aujourd'hui le Lunishmat Rivka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Rav Yosef Haim Ben Masimcha, Peggy Bat Esther, Moshe Ben Sultana, Zora Roset Bat Sultana, Moshe Michal Ben Machlouf, Zara Bat Mazal Tov, Shishportish. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perek Aleph, Mishnah Vav, Sanhedrei Gdola, Aïta Shal 71, Uktana Shal 23. ומנין לגדולה שהיא של 71, שנאמר, אספלים 70 איש עם זקני ישראל, ומשה על גביהן, הרי 71. רבי יהודה אומר, 70. ומנין לקטנה שהיא של 23, שנאמר, ושפטו העדה והצילו העדה, עדה שופטת ועדה מצלת, הרי כאן 20. ומנין לעדה שהיא 10, שנאמר, עד מתי לעדה הרעה הזאת? יצאו יהושע וכלב. ומנין להביא עוד שלושה? ממשמע שנאמר לא תהיה אחרי רבים לרעות, שומע אני שיהיה עמהם לטובה. אם כן, למה נאמר אחרי רבים להטות? לא כי הטייתך לטובה, הטייתך לרעה. הטייתך לטובה על פי אחד, הטייתך לרעה על פי שניים. ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד. הרי כאן 23. וכמה יהיה בעיר ותהיה ראויה לסנהדרין? 120. רבי נחמיה אומר, 230 כנגד שרי עשרות. משנה qui paraît longue mais qui va aller très vite, Bezrat Hashem. On va essentiellement expliquer l'origine du din qu'il faut pour le Sanhedrin Gdola, le grand Sanhedrin de Yerushalayim, 71 juges, et le Sanhedrin Ktana, le petit Sanhedrin dans chaque ville, qu'il faut là-bas 23 juges. Ouais, il y a marqué dans le pasuk Shoftim Beshotrim Titen Lecha Bechol She'arecha, des juges et des policiers, tu nommeras dans toutes tes portes, dans toutes tes villes, dans toutes les portes de tes villes. Soit dans chaque ville, il faut nommer des juges. On apprendra à la fin de la Mishnah, à partir de quand considère-t-on qu'on a une ville qui requiert d'avoir un Bet Din de 23 pour pouvoir condamner à mort. En tout cas, ce Bet Din comporte 23 juges. C'est ce que la Mishnah nous enseigne. Sanhedrin Gdola, Aïta Shel 71. Le grand Sanhedrin était composé de 71 juges. Uktana Shel 23. Et le petit Sanhedrin de 23. Origine de chacun. D'où apprend-on que le grand Sanhedrin doit être composé de 71 juges? Shenemar esfalim shivim ish mizikne Israël ou Moshe al gabeen ari shivim ve'echad. Comme le pasuk nous dit, là-bas on est dans les mythes onenim, dans Parashat Be'alotra, si je ne me trompe pas, il y a eu là-bas les Bnei Israël qui ont voulu manger de la viande et ils sont partis se plaindre chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu s'est tourné vers Hashem et a dit: j'ai plus de force. Alors ne me fais pas comme ça, c'est trop dur pour moi. Hachem lui dit: ok, tu n'y arrives pas tout seul, on va te nommer 70 juges avec toi. Et lui dit donc: Esfali Shivim Ish Mizikne Israël, rassemble-moi 70 hommes parmi les sages d'Israël, Venaseuit Ha, ils porteront avec toi. On déduit de là que quoi? Ils porteront avec toi le joug du peuple. Donc, au Moshe Al-Gaben, Moshe avec eux, ça fait donc 70 plus 1, 71. Ari Shivim Ve'echad. Rabbi Yehuda Omer, Shivim. Selon Rabbi Yehuda, il n'y a que 70 juges, pas 71. Pourquoi? Et on va voir qu'il explique le mot Itra, qu'ils porteront avec toi. C'est juste une manière d'exprimer qu'ils te ressentent, qu'ils soient aussi justes que toi, aussi de bonne famille que toi, comme toi, mais pas que tu juges avec eux. Moshe ne s'asseyait pas avec les 70 juges pour juger. Maintenant, on a fini avec le 71, on passe au Sanhedrin de 23. D'où apprend-on que le petit Sanhedrin doit être composé de 23 juges? Alors là, c'est intéressant. Le pasuk, tout est intéressant. Non, mais là, c'est un imoud un petit peu particulier. On va partir en plusieurs étapes. On va d'abord te prouver qu'il y a une base de 10, 10, ça fait 20. Et ensuite, te dire qu'il y a forcément 2. Et encore 1, et donc on est arrivé à 23. Comment on va faire ça? Chez Nehemar, comme le pasuk nous dit, Veshafetu Aeda, Veitsilu Aeda. Deux psukim, qu'on va tout de suite ouvrir pour voir ça dans la source. L'assemblée jugera, Veshafetu Aeda. Et l'assemblée jugera, Aeda, c'est une assemblée. C'est quoi une assemblée? On va déduire ensuite que c'est un rassemblement de 10 personnes, ça fait une Aeda. Donc, une Eda qui juge, soit qui condamne, Veitzilu Aeda, une Eda qui sauve, donc qui acquitte. Donc tout d'abord, il faut que dans ton tribunal, qui va condamner à mort, qu'il y ait un potentiel
de une Eda de 10 qui vont acquitter et 10 qui vont condamner. En plus de ceux qui vont faire la différence pour faire pencher la majorité dans un sens ou dans l'autre, comme on l'expliquera ensuite. Donc, Eda Shofetet ve Eda Matzelet avec un esri. On ouvre ça dans le Pasuk, dans Bamidbar, vraiment à l'approche de la fin du livre de Bamidbar, l'avant-dernier Perek. On parle là-bas des Harem Miklat, celui qui tue Be Shogeg, sans faire exprès, il doit partir en exil. Il y a là-bas toutes sortes de halachot, la paracha précise, celui qui a tué volontairement, involontairement, les halachot de chacun. Et alors, le Pasuk continue à nous dire là-bas, on est dans le Perek, la Medhe, Pasuk, Chavdalet et Chafé. Le premier Pasuk nous dit Veshafetu Aeda, Ben Amaki ou Ben Goel Adam. Et Yon Yalacha, le Goel Adam, c'est celui qui doit venger le sang. Yon Yalacha spéciale, le frère du défunt peut venger son frère. Il a même une mitzvah de le tuer, selon certains. Il y a marqué là-bas Veshafetu Aeda. Et la Eda, l'assemblée, jugera Ben Amaki pour trancher donc entre celui qui a frappé et celui qui veut venger le sang. Et le passage d'après nous continue et nous dit Veitzilu Aeda et Arotseach, et la Eda sauvera l'assassin, Miyad Goel Adam, des mains du Goel Adam. On a deux psukim, on a répété le mot Veshafetu Aeda, Veitzilu Aeda. Soit on déduit de là une allusion à la composition du Bet Din. Parmi ceux qui vont juger, il va y avoir suffisamment de quoi avoir une Eda qui condamne et une Eda qui acquitte. Donc on s'est déjà retrouvé avec 20 juges. On continue. Ominaïn la Eda chez Yassara. Je te dis Eda. Peut-être qu'une Eda c'est 3 personnes, c'est 5 personnes. Qui a dit que c'est 10? Comme le pasuk nous dit chez Nehemar, Admatay la Eda Arazot. Là on est dans la paracha des Meraglim. Et là-bas, il y avait 12 explorateurs qui sont partis voir en Eretz Israël. Lorsqu'ils sont revenus, il y a eu Yehoshua et Kalev qui ont été les deux tzadikim, tandis que les 10 autres ont dénigré la terre, et Hachem s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, il a dit « Admatai la Eda Ra'azot » jusqu'à quand cette Eda va être là. Soit cette Eda, on parle des 10, donc on déduit de là que le 10 personnes, ça fait une Eda. Yatsu Yoshua avec Kalev, il faut exclure de là-bas Yoshua et Kalev, on se retourne donc avec 10. On continue ensuite. Donc on est arrivé à 20, mais qui a dit qu'il faut plus? Uminayin la Viot Shlosha, d'où j'apprends qu'il faut ajouter encore 3 supplémentaires. Alors là, on se retrouve avec un pasouk dans Parashat Mishpatim, ce livre de Shemot. Tu n'iras pas selon la majorité pour les ra'ot, pour condamner. Tu iras, tu pencheras selon la majorité. C'est quoi ce verset qui me dit? Tu n'iras pas selon la majorité pour faire le mal, tu iras selon la majorité. Alors, il faut expliquer comme ça. En réalité, je vous dis tout de suite la solution, on va la retrouver dans les mots. Tu n'iras pas selon la majorité classique pour condamner, il faudra plus. Soit ne pas pencher et condamner Alpi et Had avec un seul supplémentaire. Si on se retrouve avec un seul supplémentaire qui condamne, la personne sera, certes, on prononcera la verdict de Chayav, mais on ne le condamnera pas. Il faut deux supplémentaires pour faire pencher. D'accord? C'est ce qu'on déduit ça. Lotia Chererabim Laot, Chererabim Leraot. Tu n'iras pas selon la majorité pour trancher. Je déduis de là, je déduis donc de là que par contre, pour acquitter, alors il suffit d'aller selon la voie de la majorité, simple, avec un seul supplémentaire. Pourquoi dans ce cas-là, le pasuk continue à me dire, tu trancheras selon la majorité, pour te déduire que il y a des fois où tu devras trancher avec une super majorité. Tu ne pencheras pas de la même manière les tova pour le bien qui a atayatra les ra'ar. Tu ne pencheras pas de la même manière atayatra les... C'est-à-dire, tu ne pencheras pas comme ce que je t'ai demandé de pencher pour acquitter. Tu ne pencheras pas de cette manière pour condamner. Soit pour acquitter un supplémentaire, pour condamner deux. Comme la Mishnah continue, elle nous dit atayatra les tova al pi echad. Pencher favorablement avec un seul. Va-t-être alera'a al-pishnaim. Pencher défavorablement pour condamner, alors il doit être fait avec deux supplémentaires. Soit, pour le moment, on est donc arrivé à 22 juges. Il faut que j'ai au minimum dans un bet din 22 juges, de manière à ce que, si on veut le condamner, que l'on ait d'abord une edamatselet,
et une Eda Shofetet, donc 10, plus, et 10 contre 10, et en plus de ça, une possibilité de Atayatra Lera'a, ta possibilité de trancher pour la condamnation avec 2 supplémentaires. Donc ça fait déjà 22. Seulement on a un problème. Ve'en Beddin Shakul, on n'a pas le droit d'avoir un Beddin. Tout Beddin que l'on fait doit nécessairement être impair. Et là, on se retrouve avec un Beddin pair, 22, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on devra faire? Mosifin Eleno Dechad, Arikan, Esri Moshosha. Ajoute donc un juge supplémentaire, et donc on se retrouve avec 23 juges. Soit, lorsque l'on va vouloir acquitter d'abord, on pourra trancher même, selon le vote de la majorité, 22 contre 21. Pour pouvoir condamner, alors on aura un problème, parce que si on se retrouve avec 22 qui condamnent et 21 qui acquittent, on n'exécutera pas. C'est une halakha spéciale, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Ouais, comme c'est, on vient de l'apprendre dans le passé, déjà, dès maintenant, on ne peut pas trancher avec un seul supplémentaire pour condamner. La personne sortira responsable, certes, mais on ne la condamnera pas selon le Beddin, il faut qu'il y ait 2 qui penchent. Or, on n'aura jamais 22 et 20, parce que chacun doit se prononcer, comme on aura l'occasion de l'apprendre. De ce fait, ça va nous faire 23 contre 20. Mais au moins, lorsqu'on aura 23 juges, 13 contre 10. D'accord? Je sais pas ce que j'ai dit depuis 2 minutes, je crois que je parlais de 20, mais bon, on s'est compris. D'accord? Ça fera 13 contre 10. Au moins, on aura qu'il y a une Eda Shofetet avec 2 supplémentaires pour trancher, contre une Eda Matzelet, contre une assemblée qui acquitte, dispense. Voilà pour le dénombrement des juges. Et maintenant, la Mishnah nous pose une nouvelle question. Avec Amaye, Bahir, Oteir, Ouya, les Sénédrines. Combien d'habitants doit-il y avoir dans une ville pour qu'elle puisse être imposé d'avoir un Sanhedrin, comme on avait apporté le pasouk Shoftim Meshodrim Titanecha Bechol Sha'arecha. Dans chacune de nos villes, l'on doit avoir un Sanhedrin capable de condamner à mort même. À partir de combien de personnes? Mais Aveshrim, à partir de 120. On va voir un décompte intéressant dans le Martenora. Je ne le fais pas tout de suite à l'oral, mais on va voir de quoi, quels sont les éléments inévitables pour pouvoir composer une ville. Et quand on va faire le décompte, on va se retrouver avec 120 personnes, 120 hommes responsables. C'est le minimum pour pouvoir avoir une... À partir du moment où on va avoir une ville où il y aura ces 120 hommes, ils devront désigner à l'intérieur de 23 juges, avec tout ce qu'il faut, comme on va apprendre ensuite. Rabbi Nechemia Omer, selon Rabbi Nechemia, Matay Mushloshim, il faut 230 personnes, Keneged Sare Asarot, en corrélation avec les Sare Asarot. Soit chaque juge est un fonctionnaire de, d'accord, de magistrat. Donc, on apprend de la Torah. Toute personne importante dirige au minimum et désigne un parmi 10. D'accord, donc il a 10 personnes sous lui, en réalité, il fait lui-même partie des 10. C'est pas pris en compte ça, mais en tout cas, on considère 1 contre 10. Donc, c'est quoi les Sarasot? Excusez-moi, je suis parti un peu trop vite. Il y a tout d'abord, dans la paracha de Yitro, quand Yitro a vu Moshe Rabbeinu juger du matin jusqu'au soir le peuple, il a dit c'est pas possible, Navol Tibol Gamata Gamamazé, c'est pas possible, tu vas pas t'en sortir, c'est une folie pour toi comme pour eux, tu es obligé de hiérarchiser un petit peu le peuple. Et tu vas, on va réunir, et ensuite il y a eu l'aval d'Hachem, Hachem il a ordonné à Moshe Rabbeinu de nommer tous ses juges. Tu vas nommer des juges pour 10 personnes, donc sur un peuple de 600 000 hommes, il va y avoir 60 000 juges. Parmi les... tu vas faire des groupes ensuite de 10 fois 10, ça va faire des groupes de 100 personnes, tu désigneras un juge supplémentaire au-dessus, donc ça va faire 6 000 juges pour, qui vont diriger 100 personnes. À part ça, au-delà, un juge qui va diriger 1000 personnes, donc on va se retrouver avec 600 juges, et à part ça, les Zkenim et Moshe Rabbeinu au-dessus. Et on a hiérarchisé. Maintenant, on réalise que donc, la fonction minimale impose d'avoir 10 personnes sous sa tutelle qui protègent, qui jugent, qui dirigent. Donc, je te demande d'avoir 23 juges. De ce fait, pour qu'un juge il soit un fonctionnaire important, il faut qu'il ait en contrepartie 10 personnes qu'il dirige. Donc, ça va nous faire 230 personnes, 230 habitants, hommes, dans la ville, pour imposer d'avoir un Beit Din, un Sanhedrin. On fait à présent le Bar Tanoura. On revient sur la première partie des 71 juges, et on avait vu que le passage disait explicitement « et apporte 71, 70 sages,
Avec en plus de ça, Moshe Al-Gabéen. C'est quoi ce Moshe Al-Gabéen? D'Amarkra, comme le Passouk nous précise, Venasou Itra, ils porteront avec toi le joug du peuple des Béné Israël, Ve'at Ba'adayou, et toi, tu seras donc avec eux. Mais Rabbi Yehuda, il n'était pas d'accord avec ça, il disait non, 70 uniquement. Et alors, qu'est-ce qu'il veut avec ce mot Venasou Itra, ils porteront avec toi? Non, ça veut dire qu'ils porteront comme toi. Be'domine Lecha, qui te ressemble. Le Vartanor et le Tosotium Tov, rapport Rashi, qui nous dit Meyuchasin ou Memnukim, Mimun. Mimum, qu'il soit Meyuchasim, qui est une de bonne famille, et qu'il soit aussi Menukim Mimum, qui n'a aucun défaut moral, qui soit pur, tzadikim. Mais jamais le pasuk n'a requis, Veloshéye ou Yoshev Imaïn Bedin. Le pasuk n'a pas requis que Moshe s'installe avec Obeddin. Ben alors que Rabbi Yehuda, la fin de pète avec Rabbi Yehuda, mais pour le Sanhedrin, il nous faut 71 juges. On continue. Quand on a fait le décompte des 23 juges, on avait dit Eda Shofetet Veda Matselet. Le pasuk disait, ouais, Veshafetou Aïda. Aïda, c'est l'assemblée. Donc, une assemblée qui juge, c'est quoi? Asara Mechaïvim 10 qui condamne. Eda Matselet, l'assemblée qui sauve. Asara Mezakin 10 qui acquitte. Veshaminan Minat et Zarir Sheyou. Esrim, on déduit déjà qu'il nous faut donc déjà 20 juges au minimum. Sheim Yechalku, que si ils discutent, qu'il y ait de toute façon la possibilité d'avoir 10 qui condamnent. Disent qui condamneront et disent qui acquitteront au minimum. Ensuite, on a rapporté le super pasouk avec l'otir rabim l'eraot, tu ne trancheras pas selon la majorité, mais pour condamner, mais tu trancheras selon la majorité. Alors comment on explique? Vachika markra, comme ça le pasouk s'explique. L'otir rabim l'eraot, le chayev alpi echad. Tu n'iras pas selon la majorité, les ra'ot. C'est quoi les ra'ot pour faire le mal? C'est-à-dire les chayev pour condamner. Tu fais pas le mal quand tu condamnes, tu fais le bien, mais malgré tout, c'est négatif, puisque tu es obligé de tuer quelqu'un. Les chayev pour condamner, alpi echad, avec un seul supplémentaire. Sheye yeter al mezakin, un seul supplémentaire plus que ceux qui le dispensent. Ça ne suffit pas. Bishnaim afilu l'erot. Par contre, tu pourras aller selon la majorité, même selon une majorité de deux pour condamner. Donc, tout le pasuk il a parlé uniquement de l'eraot pour le mal. Cheyushnaim mechayvin yoter al mezakin, de manière à ce qu'il y ait deux qui condamnent supplémentaires sur ceux qui dispensent. Donc, puisque je t'avais déjà dit 10 qui acquittent, 10 qui condamnent, et si tu veux condamner, il faut que tu aies deux supplémentaires sur ceux qui acquittent, donc il va te falloir pour le moment 22 pour le moment. Mais Al-Bartona, il nous projette déjà sur la fin. Il kach al-kochach chav gimel bainan. C'est pour ça qu'il nous faut forcément chav gimel 23. Chav gimel son gematria, oui, kaf 20, gimel 3. Donc il nous faut 23. Des batir me asara mezakin leikalememar, car il est impossible d'avoir moins de 10 qui dispensent, qui acquittent ce. Ouais, tant qu'on explique le pasouk. Des actives, veitsiloada, car le pasouk nous enseigne, veitsiloada, que toute l'assemblée, qu'il faut qu'il y ait une assemblée qui le sauve. Donc un potentiel de 10 qui acquitte. Vetou le mashkachat rova bevasir mishnemasar. De ce fait, lorsque tu fais 1 plus 1, soit 10 plus 10, avec en plus de ça 2 qui font pencher pour la condamnation, ça nous fait déjà donc 22. Bien suivi. Ve'en bet din shakul. Et puisque maintenant on a un problème, c'est que l'on n'a pas un bet din, on n'a pas le droit d'avoir un bet din shakul. En osin bet din zugot. On n'a pas le droit de faire un bet din avec des zugot, un chiffre pair. De manière à ce que s'ils étaient en discussion, qu'on se retrouve dans une situation où il y a moitié-moitié. C'est pas possible. Il faut forcément trancher les choses. Et dans ce cas-là, il s'avérera que tu ne trancheras pas les tova pour le bien avec un juge supplémentaire, mais plutôt parce qu'ils sont ex-écho. Donc, dans le doute, tu feras rien. Mais le pasouk insiste que tu tranches positivement, activement. Donc, qu'il y ait au moins un qui fasse pencher la balance. Et le car, moi, si fait d'Alain, c'est pour ça qu'il faut forcément ajouter un juge supplémentaire. On est donc arrivé à 23. Donc, on répète rapidement. Il faut 10 qui puissent théoriquement condamner, tant que 10 dispensent, et possibilité de trancher, de condamner, donc ajoute 2, 22. Mais seulement, c'est pas possible de rester avec un chiffre pair. Pourquoi? Parce que si finalement ces deux vont se prononcer un favorablement, un défavorablement, on sera 11 contre 11. Dans le doute, on dispensera, seulement on a un problème. La Torah a demandé qu'on tranche le fait qu'il soit acquitté. Donc il va falloir ajouter un supplémentaire pour se retrouver avec un supplémentaire, donc 23 juges.
il va s'avérer de cette manière qu'on ne tranchera jamais la condamnation avec deux supplémentaires, puisqu'on ne pourra pas avoir deux supplémentaires, on aura forcément trois supplémentaires, 23 contre 13 contre 10, enfin c'est compris. Et voilà. D'accord ? Mais à Ve'esrim, on est 120 juges, 120 habitants dans la ville pour imposer d'avoir un bedin. Comment on arrive à un chiffre pareil? Regardez comme c'est intéressant. Mais Faresh Bagmar, on explique dans la Gemara, Esrim Ushlosha Sanedriktana. Tout d'abord, dans ta ville de 120, on va te faire le décompte des personnes minimales à avoir dans une ville pour pouvoir chacun avec sa fonction. Donc on a déjà parlé de 23 juges. Ensuite, ajoute, les Gimel Shurot Shel Chav Gimel Chav Gimel Yoshim Lifnim. Il faut 3 rangées en arc devant les 23. 3 rangées supplémentaires de 23 talmidim, des étudiants, des érudits en Torah, disciples des rabbanim, de manière à ce que si un rab est absent, décède, ou simplement n'est pas là, alors qu'il y en ait un des disciples qui puisse venir prendre sa place. Donc ça nous fait déjà 23, plus 23, 3 fois 23, ça fait 69, on ajoute encore 23, ça fait 89, plus 92, donc on en a déjà 92. Donc, pourquoi il fallait ajouter ces trois rangées? Sheim, Utsrechou, Leosif, Aladayanim, Mosifim, Mehem, Asara, Batlanim. De manière à ce qu'il y a, s'il y a nécessité d'ajouter donc, des juges supplémentaires, qu'on ajoute ces disciples qui puissent devenir eux aussi juges. Ve Asara, Batlanim. À part ça, il y a une halakha que dans chaque ville, il doit y avoir 10 batlanim. C'est quoi des batlanim, des gens qui ne font rien? Asara bne adam betelim mikol melacha. 10 personnes qui ne sont pas, qui ne travaillent pas, qui restent au betamidrash. Sheyoshvin tamid bebetamidrash, qui soient toujours au betamidrash, qui soient disponibles tout d'abord pour étudier la Torah, mais en plus de ça, qui soient disponibles s'il y a une levaya, si on a, pour un regroupement de 10 personnes, on a besoin de les avoir, qu'on puisse les amener. D'accord? Donc ça nous fait déjà dans une ville, on a déjà besoin de 102 personnes, 92 plus 10. Je les écris au fur et à mesure, comme ça, on ne se perd pas. Ensuite, Veshne Sofrim, à part ça, il faut 2 scribes. Pourquoi 2 scribes? Lirtov, Divrei Hamezakin, Vedivrei Hamechayvin. Que l'un va écrire le protocole, les justifications des juges qui condamnent et qui dispensent. Qui dispensent et qui condamnent, d'accord? Donc ça nous fait déjà 2 supplémentaires, on est déjà arrivé à 104. À part ça, il faut Veshne Chazanim. Il faut à part ça 2 Chazanim. Le Chazan, cette fois-ci, ça ne va pas être celui qui va chanter avec sa belle voix, mais celui plutôt qui va frapper avec sa belle sangle. Shamashé, c'est quoi les Chazanim? Shamashé Bet Din Lalkot Achayav. Les délégués, les émissaires du Bedin qui vont frapper celui qui est condamné. Ou encore, Oulazmin Baalei Adin. Ou encore convoquer les Baalei Adin, les personnes appelées au Bet Din. Ça nous fait déjà donc 2 supplémentaires. Nous sommes arrivés à 106. À part ça, bien sûr, avec tous ces juges et ces scribes et tout ça, il faut bien des gens qui se fassent juger quand même, minimum. C'est intéressant comme décompte. Veshne, Baalei Adin, 2 personnes qui sont jugées. Donc on ajoute encore 2, on est donc arrivé à 108. Veshne, Edim, et aussi il faut bien des témoins. Donc on ajoute encore 2 témoins, ça nous fait 2 supplémentaires, on est donc arrivé à 110. À part ça, quand il y a des témoins, il faut qu'il y ait la possibilité de les contredire et de contrer ceux qui les contredisent. Ça nous fait donc encore 2 plus 2, 4 supplémentaires. On était jusqu'à maintenant 110, ça nous fait déjà 114. Donc c'est les Shnei Zomemin qui contre et les Shnei Zomemezomemin et 2 qui contre ceux qui contre. Ça nous fait donc, on en est déjà à 114. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Je reprends, ça en a fait 102, 4, 6, 8, 10, 14. À part ça, bien sûr, dans une ville, toute ville où il n'y a pas de Gabaï Tzedaka, où il n'y a pas de Kupa Tzedaka, c'est grave. Donc il va nous falloir Veshne Gabaïm, 2 personnes qui vont partir récolter la Tzedaka pour la redistribuer. Veshlishi Lechalek, un troisième, avec lequel ils vont se joindre pour ensuite partager. Il faut 3 personnes pour distribuer la Tzedaka. Ça nous fait 3 supplémentaires. Donc selon mon compte, si je ne me trompe pas, on en est déjà à 113. Shatzdaka, Nikvit, Bishneim, Mitchaleket, Bishlosha. Car il y en a la Tzedaka, on la récolte avec 2 personnes qui viennent en même temps récolter l'argent, c'est une halakha. C'est une question de montrer à tout le monde qui sont des gens de confiance.
et pour la partager, puisqu'il va falloir décider et juger et analyser le cas du pauvre et combien lui revient. Donc il va falloir trois personnes cette fois-ci. À part ça, il faut verofe uman le akizdam. Alors le mekizdam, c'est celui qui fait la saignée. C'était un procédé de guérison à l'époque. On faisait des coulées de sang, on faisait sortir tout le sang, et après il y avait tout un procédé de repas avec du vin à boire et tout ça pour remonter, recréer un nouveau sang, et comme ça on se guérissait. Donc ça fait, si je ne me trompe pas, ça fait un seul. J'ai un doute parce qu'il y a un vav supplémentaire, il y a une longue remarque ici, mais je ne l'ai pas lu. Donc on en est pour le moment, je refais le compte, 92, 10, ça fait 102, 4, 6, 8, 10, 14, 17, 18, on est déjà à 118. Velavlar est un scribe, bien sûr, on met la mettre d'Inokot, et une personne qui enseigne la Torah aux enfants, ça fait 1 plus 1, et le compte est bon. Avec Koufraf, on est donc arrivé à 120 personnes. Tout ça, c'est le... C'est-à-dire, faut qu'il y ait... dès qu'il y a 120 personnes, on est capable d'attribuer à chacun la fonction, une fonction particulière, en rapport avec tout le grand Mangenon, la grande... je sais pas comment le dire, mais en tout cas... On est capable de faire une ville pleine, donc à partir de 120 personnes, on impose d'avoir un Bet Din. Et Rabbi Nechemia nous disait qu'il fallait des 230 contre les, par rapport au Sare Asarot, au juge magistrat des 10 personnes. Kedei Sare Asarot en corrélation avec les Sare Asarot. Pourquoi ? Dainu Chav Gimel Asariot. Donc il va nous falloir 23 dizaines, donc 230. Sheye Kol Dayan Sar Shalasara. De manière à ce que chaque juge soit un fonctionnaire important nommé sur au moins 10 personnes sous lui. Donc ça va nous faire l'équivalent de 230. Pourquoi ça ? Débattir, mais... je ne sais pas comment il faut dire ce mot, j'ai un mot. Je ne sais pas, soit je suis un peu trop fatigué, soit je n'arrive pas à lire, un problème. Débattir, mis... Ah non, ouais, d'accord, je suis fatigué. Tout simplement, il est bientôt 2h15. De débattir Misare Asara, parce que moins que les Sare Asara, Loach Kachan Sara, moins que des responsables sur 10, Loach Kachan Sara, ce n'est pas possible d'avoir aucune. C'est pas une fonction assez importante. Je t'ai demandé de nommer des juges que chacun est fonctionnaire, important, un fonctionnaire important a nécessairement un magistrat, a nécessairement 10 personnes sur qui qu'il domine. Ven al-Hag Rabbi Nechemia, l'al-Hag n'est pas établi comme Rabbi Nechemia. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, Vatzlacha Kol Tov Salah.